Questionner dans l'écosystème santé la réalité sociale, la réalité des pratiques sociales, leur histoire, leur devenir. Nous allons parler aujourd'hui avec François Roche. François Roche, bonjour. Bonjour. Travailleur social, une carrière à la direction de différentes structures, dont pour finir un NITSRA. Voilà, l'Institut régional de formation en travail social. Voilà. Et puis aujourd'hui, coordinateur de la commission éthique et déontologie au Conseil supérieur du travail social français. Voilà. Quelle est la réalité, comment pourriez-vous dépeindre la réalité sociale, certes d'une manière peut-être un peu simplifiée, du paysage? Quelle est votre présentation du paysage français aujourd'hui? Quels sont les principaux... Très difficile, mon cher Christophe. Bon, je vais tenter, mais en disant bien que je parle d'un lieu, hein, j'ai un point de vue qui est particulier. Bon, moi, je vois un peu la société française sous un angle double. Mon angle dominant, c'est celui que tu viens de citer de travailleur social, donc de quelqu'un qui s'attache à intervenir pour faire que les humains puissent arriver à vivre dans cette fichue société, que la société tienne encore un petit peu debout. Donc je fais partie des intervenants, hein, donc des travailleurs sociaux. Et puis je fais partie aussi des gens qui, depuis toujours, se sont engagés, j'insiste sur le mot engagés, donc pour produire du lien social. Moi, depuis toujours, je suis dans l'éducation populaire, les associations. J'ai été élu et je suis toujours élu associatif ou municipal. Bon, et je vais dire deux mots donc de notre société avec à ce double titre. Alors d'abord, moi, il me semble que, et c'est très triste, on est dans une société qui est clivée, hein. C'est-à-dire que on a beau essayer de faire, et le titre des directions, notamment qui s'occupent du secteur de l'action sociale, c'est de la cohésion sociale. On a beau l'écrire, le mot, hein, on est dans une société qui est de plus en plus clivée. Il y a des groupes qui sont dans la pauvreté, de plus en plus nombreux, on le sait, mais de plus en plus lointains, hein, des décideurs et des responsables. Il y a ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas et qui ne verront jamais un travail comme ceux qui l'ont vu, l'ont connu, hein. Donc une société qui est, je trouve, très très clivée. Une société qui est inquiète, souvent, hein, angoissée par l'incertitude du lendemain, parce qu'on n'est pas bien capable de penser notre avenir, hein, en commun en tout cas. Et alors, comme elle est inquiète, ben, elle se replie souvent sur ses soucis catégoriels. Et moi, retraité, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'aurais pas? Et moi, jeune, à quoi je peux accéder tout de suite? Et moi, groupe un tel ou groupe un tel, qu'est-ce qu'il en est? Donc moi, j'insisterais peut-être un peu sur une société clivée. Alors, sous l'autre angle aussi de mes activités, je trouve qu'on est dans une société qu'on est en train de déconstruire. Alors, il y a des phénomènes sociaux de fond, hein, sur la faiblesse des grands systèmes, la famille, les institutions, etc., peut-être. Mais ce qui me frappe, c'est que dans l'agitation dominée par l'économie politique actuelle, c'est-à-dire qui voudrait trouver des solutions rapides à nos problèmes économiques, donc, eh bien, on a tendance, je trouve, à ne plus travailler sur les éléments vraiment fondamentaux de la vie en société et à essayer de régler des problèmes au coup par coup ici et là. Conclusion, bon, les responsables des institutions, les responsables politiques, les responsables de la vie sociale de façon générale, je trouve, ben, s'adressent de plus en plus à des groupes au moment où les groupes gueulent le plus fort et ont tendance à déstructurer la vie collective plutôt que la structurer. Donc moi, je suis assez inquiet, hein, sur nos modes d'action et de faire au jour d'aujourd'hui, que ce soit à titre professionnel, si je peux dire, ou au titre d'observateur de la vie sociale en général. Le lien se délite sévèrement, hein. Alors justement, pour introduire le métier du travailleur social, prenons l'exemple d'un jeune homme qui viendrait te voir et qui te dirait je crois que j'ai envie de devenir travailleur social aujourd'hui. Trois qualités. Et dis donc, qu'est-ce qui m'attend? Ah, ben d'abord, je vais être content. Je vais être content parce que je trouve que vouloir devenir travailleur social, c'est s'engager dans un métier où on va travailler avec les humains, pour l'humain et pour l'avenir des humains.
Alors, moi, je me régale. Je trouve que c'est une très, très bonne idée. Alors, la première chose qu'il faut, comme qualité, je dirais, c'est, après cette envie, qui est un moteur, qui est un déclencheur, hein, mais qui est bien, je trouve qu'il faut, il faut s'engager sur un effort costaud, hein, de formation. En commençant par déconstruire un peu les images qu'on a de ci et de ça, hein, en acceptant, en lisant beaucoup, en débattant beaucoup, en travaillant avec les autres, ben de se refaire un peu, hein, de se refaire dans les savoirs et en tout cas de laisser tomber un tas de représentations. Donc ça serait une qualité que je demanderais, d'être prêt à travailler beaucoup et d'accepter de renoncer à ce qu'on croit savoir, qui sont souvent que des opinions pas très bien fondées. La chose suivante que je dirais, c'est qui est une qualité absolument essentielle, c'est d'écouter et de se taire. De savoir se taire et de savoir se mettre en retrait, parce que d'évidence pour moi, quand on a eu l'envie de s'engager, hein, dans ce type de métier, on a envie de rencontrer les gens et on saura y trouver son compte, hein, s'enrichir mutuellement, hein, bien sûr. Mais à condition d'écouter, à condition de se décentrer, donc à condition de se taire. Voilà les trois qualités que je te demanderais, si je peux dire. Alors, on parlait de ce panorama social, de devenir travailleur social aujourd'hui, des qualités. Un des mots fondamentaux de la pratique sociale, c'est le mot éthique. Ouais. Construire une éthique aujourd'hui dans un monde de la complexité, des environnements, des opinions, ce que tu citais aujourd'hui. Comment on rentre dans une démarche éthique aujourd'hui, dans un monde où s'oppose médiatiquement différentes morales de communauté, différentes lectures institutionnelles, différentes... Quelles sont les bases de la construction de l'éthique dans un monde comme le nôtre aujourd'hui? Moi, je dirais, d'abord, c'est la recherche de... de ce qui est équitable, de ce qui est juste, et à travers en particulier ce qu'Aristote a appelé les lois éthiques. Alors, Aristote, c'est un très très vieux sage, comme tu sais, mais qui était tout à fait intéressant, il disait, il y a les lois écrites, c'est ce qui a établi le droit, les réglementations, etc., et c'est général, mais ça ne prend pas en compte le particulier. On a besoin de lois éthiques. Et il disait, les lois éthiques, c'est comme le rivage. Et c'est comme une ligne souple, qui s'adapte à la réalité et qui est mouvante, légèrement mouvante. Pas totalement mouvante, mais qui est légèrement mouvante. On ne peut pas dire exactement où est le rivage. C'est ça les limites et c'est ça la recherche du juste et de l'équitable. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant dans la vie, c'est de savoir ce qui est le plus vrai, le plus juste, le plus équitable dans telle situation, entre telle et telle personne, par rapport à tel problème. Faut pas parler. L'éthique, ce n'est pas quelque chose qui se traite de façon générale. C'est quelque chose qui se fait en situation. C'est dans telle situation que le raisonnement éthique se pose. Et le raisonnement éthique, il est approprié, il est facile à déclencher, en ce sens qu'il est fondé sur les valeurs les plus fondamentales. Par exemple, la dignité de l'homme. C'est très difficile de dire exactement qu'est-ce qui est digne, qu'est-ce qui est indigne, mais tous, on aspire à la dignité. On sait dire, dans certains actes, ceux-là sont indignes. Dans certaines situations, ceux-là sont indignes. Mais tous, on cherche à définir ce terme positif. Ce qui est juste, ce qui est être libre, c'est la même chose. Ces valeurs fondamentales qui nous inspirent, hein, on les recherche, c'est une sorte d'idéaux, mais on sait qu'elles ont un revers qui est toujours ce qui est un refus de la liberté, ce qui est un refus de la dignité, ce qui est un refus de l'égalité ou de l'équité. Et donc, l'éthique... Elle fonctionne avec la recherche sans arrêt des idéaux, ce que je viens de dire, les idéaux de la République, et puis des idéaux universels comme la dignité, et puis dans la lutte clairement déclarée contre tout ce qui, atteinte à ces valeurs, pardon, c'est-à-dire par exemple l'indignité, c'est-à-dire par rapport les atteintes à la liberté et autres. Donc dans notre société, l'éthique, même si notre société est tout à fait complexe, je suis bien d'accord, la recherche de l'éthique, parce que ce n'est pas une recherche générale, générique, mais c'est bien une recherche en situation, elle va de pair. L'éthique, on la bâtit dans chaque situation, puis après, par
comparaison, par rapprochement, évidemment, on est plus à l'aise pour la deuxième, pour la troisième, pour la cinquième, pour la quinzième situation. Mais c'est toujours en situation qu'on réalise donc les démarches éthiques. Donc la complexité, ben, elle vient comme elle est dans la situation. Mais on en reste à la situation. Donc on peut l'aborder, la complexité. Alors la question, je crois que c'est ce qu'on dit. Oui. Le fait est que souvent on écoute lorsque l'éthique s'oppose à la déontologie, lorsque le tiraillement entre déontologie et éthique nous questionne, nous met en souffrance, etc. Une fois lors d'une manifestation où tu étais, quelqu'un nous a répondu et m'a répondu, la seule règle, c'est la responsabilité. Oui. Sinon, en tant que travailleur social, on va planter des olives dans le sud de la France. Tout à fait. Un peu habillé. Eh bien, je veux aller plus loin avec toi. Certes, on peut aller planter des olives dans le sud de la France, mais on voit bien quand même qu'on a un contexte socio-économique qui fait que le rapport à l'emploi, le rapport à la stabilité de l'emploi, le rapport à la prise de risque, le rapport au changement de l'emploi, fait qu'en fin de compte, le tiraillement devient de plus en plus fort. Comment articuler déontologie, normes de plus en plus rigides, établies, oppressantes, et tant d'éthique en lien avec des situations toujours singulières? Alors, je vais essayer de répondre sur le fond, et puis un peu dans la manière de procéder. Quand je dis la manière de procéder, c'est comment faire pour essayer d'aller dans le sens que tu dis. Mais avant, sur le fond. Moi, je pense que sur le fond, nous sommes dans des sociétés de normes, hein, dans des sociétés de droit aussi, d'accord, mais surtout de normes. Et d'abord, il faut les considérer avec circonspection, ces normes. Hein. Et puis après même, je vais dire qu'on peut s'y opposer et on doit s'y opposer dans certains cas. Et que la légitimité l'emporte sur la légalité des fois et le conformisme sûrement. Mais déjà, les normes, les règles. Et ce qu'il faut jamais négliger, c'est qu'il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie des droits et des règles. Une convention internationale, qui définit les droits de l'enfant par exemple, l'emporte largement sur la foutue instruction de tel préfet ou de tel directeur d'institution. Une convention internationale ratifiée par la France ou le préambule de la Constitution française qui définit des droits inaliénables l'emporte de toute façon sur un texte, une circulaire, un arrêté, des modalités d'application. Et donc, quand il s'agit par exemple de mineurs isolés étrangers et de son devenir, il faut savoir au nom de quoi on parle, parce qu'il y a des textes qui sont en contradiction. Mais les textes qui sont en contradiction ont des rangs différents. Et le plus haut, c'est le respect de l'enfant, le respect de la minorité. Ce n'est pas le statut d'étranger, par exemple, hein, qui l'emporte. Donc il ne faut jamais oublier que dans les principes, les lois et les normes, il y a des hiérarchies. Et donc il faut connaître ces différents textes, et il faut interpeller chacun des textes devant lesquels on se situe pour savoir comment le considérer vis-à-vis des autres. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, je dirais, c'est que d'abord, l'éthique l'emporte sur le droit, in fine. C'est-à-dire que l'éthique traite des fondements et des valeurs humaines et de vie en société, en dehors même de toutes les cultures, en dehors même de tous les systèmes organisés. Et la loi, elle ne fait que refléter l'accord auquel on est arrivé pour définir les règles du jeu dans notre société au jour d'aujourd'hui. Mais elle changera demain et elle n'est pas la même dans un pays un peu plus loin. Hein. Donc l'éthique doit faire bouger les lignes, doit interpeller des fois hein, la loi et doit pousser à ce que, même en dehors des lois et des normes, on regarde des problèmes, des phénomènes d'une façon différente. Alors du coup, effectivement, et j'aime bien la citation que tu as faite, ben, il faut s'avancer, hein, il faut se mouiller. C'est-à-dire qu'un intervenant qui travaille au nom de l'éthique, et les travailleurs sociaux notamment, hein, mais beaucoup d'autres, hein, doivent analyser le contexte, les lois, les règles, les normes, c'est entendu, le prendre en compte, parce qu'on ne vit pas ailleurs, on vit ici. Les gens auprès desquels on intervient veulent vivre dans la société dans laquelle on est, c'est sûr, donc il faut bien qu'on les prenne en compte, mais il ne faut pas qu'on s'y arrête. Donc des fois, il faut s'y opposer, clairement. Il faut les contrer. Des fois, il faut même prendre le risque de les contrer,
Alors, il faut bien peser ce risque, parce que ça peut amener devant un tribunal, mais le tribunal peut parfaitement reconnaître, et ça arrive souvent, hein, que les raisons qu'on a mises en avant, si ce n'est pas fait avec légèreté, hein, sont fondées sur des principes supérieurs qu'il emporte par rapport à des lois qu'on pourrait ne pas respecter dans certaines circonstances. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est comment. Tout ce que je viens de dire, c'est très bien, mais il ne faut pas le penser tout seul. Et un travailleur social, notamment, je dis, il ne s'autorise pas de lui-même. C'est-à-dire qu'il est employé pour. Il est employé par la société pour. Il est employé par un conseil général pour. Il est employé par une association pour. Il a une fiche de fonction, une mission. Il travaille pour le compte d'eux. Hein, une mission qui lui a été confiée, qu'il a acceptée. Le mandat d'une institution, ses valeurs, son projet associatif, etc. Donc, les prises de position et tout le raisonnement que j'ai tenu avant, il faut d'abord qu'il soit posé à l'intérieur de la fameuse institution, qu'il interpelle l'institution dans laquelle il est, qu'il discute avec ses collègues sur qu'est-ce qu'ils peuvent en penser, parce qu'il n'a pas la science infuse, et il peut être pris de court, ou il peut avoir un point de vue qui n'est qu'un point de vue partiel. Donc il est essentiel, pour qu'il y ait une démarche éthique aussi, j'y reviens, et c'est même d'une certaine manière un conseil de méthode, faut pas rester seul, il faut échanger avec d'autres, il faut donc contribuer auparavant à avoir mis en place des espaces de dialogue, des espaces de réflexion, où on débat librement, en confiance, sur comment comprendre une situation, pourquoi on s'opposerait à telle chose, pourquoi on dirait que tel principe est supérieur à tel autre, pour le confronter, fonder vraiment un point de vue, et être prêt à le soutenir en conscience ensuite. Deux dernières questions. Celle de la souffrance psychique, bon, c'est pas d'aujourd'hui qu'on considère que c'est un travail qui est complexe, qui est dur, difficile, qui agresse jusque dans l'intimité parfois. Certains nous disent l'absence de valorisation du travail social. Ce mot « valoriser le travail social », on l'écoute beaucoup ce mot « valoriser le travail social », mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire « valoriser le travail social » ? Alors, trivialement, tout de suite, il y a des combats par rapport au travail social. Il y a une conférence nationale de lutte contre la pauvreté au cours de laquelle le Premier ministre a dit qu'il fallait déclencher des états généraux du travail social pour le refonder et le valoriser. Moi, je suis d'accord, mais tout de suite, je n'entends plus beaucoup le Premier ministre, d'ailleurs on a changé dans l'intervalle, parler de valorisation en termes monétaires, parce que ça intéresse les personnes, en termes statutaires, parce qu'ils n'ont pas l'accès à certains statuts de la fonction publique, en termes de reconnaissance universitaire, parce que leur diplôme, sous couvert d'alternance et sous prétexte qu'il y a une partie des apprentissages qui sont faits en stage et dans l'alternance, donc le niveau universitaire, les niveaux universitaires donc du secteur de l'action sociale sont faiblement reconnus. Donc il y a un déficit de reconnaissance et de valorisation au jour d'aujourd'hui. Alors, pour autant, moi je pense que il y a un autre type de valorisation qui intéresserait beaucoup tout notre secteur et les travailleurs sociaux eux-mêmes, c'est le regard. C'est-à-dire que le regard des membres de la société et des responsables de la société, parce que les travailleurs sociaux, c'est vrai, sont aspirés dans la stigmatisation des publics, ajoute la mauvaise image, si je peux dire, du public ou des missions, qui sont disqualifiés d'une certaine manière dans l'opinion publique, dans l'estime générale, si je peux dire. Donc, ajoute à ça ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la souffrance psychique. Parce que quand même, ça coûte de travailler dans la difficulté. Ça brûle de se confronter à la souffrance d'autrui et d'essayer de l'assumer, de développer la situation malgré cette souffrance-là et en la prenant véritablement en compte. Donc la souffrance psychique, elle est réelle. Elle est moins bien soutenue depuis quelques années qu'elle ne l'était auparavant par les institutions, parce que là encore, on dit qu'il y a une augmentation. Elle est vraie numériquement, mais elle est vraie aussi de la part des professionnels. Mais en tout cas, les organisations qu'on a au niveau de l'action sociale n'ont pas privilégié la prise en compte, par exemple, de cette souffrance psychique et l'entraînement, la mise en forme des intervenants, l'organisation actuelle de l'action sociale a privilégié le rendement, si je peux dire, c'est-à-dire le nombre d'actes qui sont produits pour répondre en termes de dossiers
et de satisfaction par le nombre de dossiers traités, même si la satisfaction, de mon point de vue, est bien relative. Je vais finir par un dernier point, la mise en prospective. 10-20 ans. Je serais tenté de souligner trois tendances comme préalable à la lecture ces 10-20 ans et savoir quel est ton avis. La première tendance, avec un grand A comme austérité, qui marque la définition des politiques des pays aujourd'hui et qui crée une refonte des postures des États et nations dans le champ économique. La deuxième, N comme numérique, robotisation, paupérisation, avec un certain nombre de métiers qui semblent voués à disparaître par rapport au progrès technique ou technologique, au niveau des tendances, y compris annoncées par les monstres comme Google, comme un objectif. Réduire le travail au sens global du terme. Et le troisième élément, cette acculturation de la mondialisation dans les normes, et on le voit par exemple avec les différences du local au global entre l'Europe, la France et la réalité d'un territoire. Face à ces trois tendances qui semblent lourdes, il y en a sans doute beaucoup d'autres, est-ce que le travail social est condamné ? Alors, moi je crois que le travail social n'est pas condamné du tout, parce que, hélas, l'inégalité et la souffrance et les difficultés et les échecs de la vie, ils se produiront dans n'importe quelle société. Donc le travail social, il va bientôt naître en Chine, t'inquiète pas. Parce que y a des inégalités telles qu'on ne peut pas ne pas intervenir, et quand même dans nos sociétés, et même en Chine, on intervient humainement. Alors sur les trois points que tu as dit en termes de prospective, austérité, je pense que l'austérité nous pend au nez tout de suite et continue de nous dominer, de nous écraser, mais je veux te dire, moi ça ne m'intéresse pas l'austérité. Ce qui m'intéresse, c'est ce sur quoi je travaille sur le fond et que j'espère, avec un certain nombre d'économistes qui refusent la doxa de la croissance, il n'y aura jamais de croissance qui va reprendre et de société qui va renaître avec une croissance. Je crois que la croissance est finie depuis belle lurette et qu'il faut arrêter de parler de ce mythe. Et je crois qu'il faut espérer, comme Serge Latouche, comme Pierre Rabhi et comme beaucoup d'autres, hein, une abondance frugale, hein, et qu'il faut travailler dans ce sens-là. Alors ça nous amène à quoi ? Ça nous amène à partager beaucoup plus. Partager le travail, par exemple. Moi, je ne crois pas qu'on diminuera le travail magiquement, je reviendrai au numérique après, mais je crois qu'en tout cas, on doit partager le travail. Les différentes formes de travail, hein, il y a des travaux qu'on est bien content de faire par quelques machines, mais enfin, il y a des quantités d'autres activités humaines qui méritent d'être rémunérées, d'être reconnues par les autres et de donner un statut intéressant à celui qui les a, ces activités. C'est ça, le travail. Numérique. Oui, je pense qu'on est dans une société où le numérique se développe beaucoup. Moi, je ne suis pas très habile, hein, et je ne sais pas si j'ai un point de vue très autorisé, mais je considère qu'on fait beaucoup d'agitation, et on va au-devant de beaucoup d'agitation et de complexité. Et je trouve que la compilation des données et l'accélération des transmissions ne produit pas grand-chose, à part des offres commerciales. Je trouve que ça ne fait pas beaucoup progresser la pensée. Je trouve que ça ne fait pas progresser beaucoup la compréhension des autres sociétés. Je trouve que ça ne fait pas prendre beaucoup de références pour culturelles ou sociétales, voire religieuses. Ça ne contribue pas beaucoup. Donc le numérique, je constate qu'il est... Il est là et on travaille avec comme un outil qui a accéléré beaucoup de choses. Mais je ne pense pas que ça soit la voie qui nous permettra de donner de l'espoir aux générations qui viennent et de construire une société qui nous plaise, qui nous inspire, celle de l'abondance frugale, comme je disais tout à l'heure. Et tu as terminé, j'ai oublié le troisième point. Cette question des articulations du local au global. Le local et le global. Comme je disais tout à l'heure, les grandes déclarations mondiales et puis les réalités locales, les lois des pays.
les définitions de l'Europe et les réalités de territoire. Alors, bon, moi je trouve que je suis très content du côté mondialisation qui permet la découverte de civilisations et de pays qui sont tout à fait différents les uns des autres. Et ça m'est arrivé à moi comme d'autres de découvrir d'autres cultures, en Afrique ou ailleurs par exemple, et c'est un bonheur. Mais je voudrais dire une chose en prenant un mot et un fil, la démocratie. La mondialisation nous amène à espérer que un peu partout se développe la démocratie. En tout cas, c'est ce que disent beaucoup de personnes. Moi, je crois que c'est tout à fait important, effectivement. Mais cette démocratie, elle n'est pas du tout atteinte dans notre pays, par exemple. Dans notre pays, la démocratie au niveau local, elle est absente. Quelques-uns qui ont été élus croient qu'ils peuvent faire, ils doivent faire le bonheur des autres et que pendant les 6 ans de leur mandat, ils détiennent la vérité. La démocratie au niveau des grandes institutions, je pense à des conseils généraux, mais elle n'existe pas. Il y a des élus, c'est tout à fait intéressant qu'il y ait des élus, on est d'accord, mais là encore, les élus, une fois qu'ils ont été élus, ils oublient qu'il y a des personnes. Il n'y a pas un conseil de la vie sociale comme dans l'établissement au sein du conseil général. Il n'y a pas d'écho du public bénéficiant du RSA pour savoir quel est le bon fonctionnement des équipes pluridisciplinaires qui attribuent ou qui n'attribuent pas tel et tel élément. Le point de vue des intéressés, le point de vue des citoyens, il est très peu entendu, il est très peu construit. On a du travail à faire dans les pays où on croit que la démocratie est établie. Et quant à ceux où elle n'est pas, où elle n'est pas tellement établie, je pense qu'il y a là encore des motifs d'espoir à avoir dans les échanges. Je vais citer deux pays que je connais bien parce que j'y suis allé plusieurs fois, la Tunisie et le Burkina. Moi, je trouve sain et salubre, et ça me donne de l'espoir, de voir qu'en Tunisie, par exemple, les femmes contre vent et marée arrivent quand même à s'exprimer, à faire reculer certains points de vue obscurantistes. Je me réjouis au Burkina que ce soit essentiellement la jeunesse qui ait dit halte à quelqu'un qui, quoi qu'il fasse, était là depuis 25 ans et ne voulait plus changer de place. Parce que je pense que ce type de manifestation et de construction de la démocratie, bon, je ne veux pas dire que c'est appelé à se multiplier, je rêve en le disant, mais en tout cas, ça existe et ça nous fait un peu converger. Mais ce qui peut se passer en Tunisie, ce qui peut se passer au Burkina, ce qui peut se passer dans telle commune ou dans tel département, c'est de la même mécanique, c'est toujours la même construction, et pour le moment, c'est toujours assez faible, encore trop faible. Merci beaucoup, François Roche. Merci.